problème, je dirais presque moral, chasseur de l'époque. Les chasses qui sont appréciées sont des chasses de contact. L'on va vers l'animal, l'on poursuit l'animal, et la chasse à court, je dirais même la chasse aux toiles, la chasse au vol, c'est-à-dire les derniers temps sont un tête-à-tête entre le chasseur et l'animal, alors que le fusil permet de chasser à distance. Donc, beaucoup de chasseurs qui retrouvaient au XVIIe siècle moyen, en plus c'était coûteux parce que technologie nouvelle, donc prix élevé. Et Louis XIV, lui, a tout de suite apprécié ce moyen, et naturellement, ce que le roi fait étant forcément bien, tous les courtisans ont suivi, et derrière eux, l'ensemble de la noblesse. Et c'est ce qui a fait disparaître une chasse très répandue autrefois, qui était la chasse au vol, c'est-à-dire au faucon.